2010 is the 70th anniversary of the Battle of Britain, and La Ferté paid tribute to the feud during the show, orchestrated by the boss of the fighter collection, Stephen Gray. Quand on se rappelle de la guerre, remise de Galles. The set piece kicked off with a look at one of the training aircraft of the RAF, the famous Tiger Moth. This biplane trainer was what most young pilots in the RAF learned to fly on before progressing to fighters. Biplane fighters were mostly a thing of the past by the time of the Battle of Britain, and so the Tiger Moth seemed a little outdated even for that era, but it was nevertheless a great trainer. Le Hurricane. The most numerous RAF aircraft in the Battle of Britain was this, the Hawker Hurricane. It shares many design features with Hawker biplane fighters and was outperformed by the German stalwart, the ME-109. Suivi de ce qu'on peut appeler. La majorité n'avait jamais vu un avion de près de leur vie. Quelques mois après avoir appris à piloter dans ce Tiger Moth, ils se retrouvaient à l'intérieur de. Les pilotes de l'armée de l'air ont remporté. The other famous RAF fighter, the Spitfire, was able to match the ME-109. This is why Hurricanes were mostly tasked to go after the bomber formations, while Spitfires dealt with the fighter cover. The Hurricane shot down more aircraft during the battle, but of course, there were more of them around. This takes nothing away from the qualities of the Hurricane though, which was still an excellent fighter and a stable gun platform, and certainly easier to land than the ME-109 and Spitfire, having a wider spacing of the landing gear. This Duxford-based ME-109 just received a fresh lick of paint, reverting back to the color scheme it wore during the filming of the movie Battle of Britain. On peut dire que la bataille de France fut une espèce de cette première mi-temps fut. All fighter aircraft taking part in this part of the show are based at Duxford, as a matter of fact. The epic battle of the summer of 1940 has inspired many stories, as Allied pilots went up to meet the German Luftwaffe day after day, when the German Air Force tried to pave the way for an invasion of England via the British Channel. More than 3,000 pilots of 40 nationalities eventually won the fight. Numerically, the Allies were at a slight disadvantage at the start of the battle. The cost of human life on both sides was heavy, totaling more than 3,000 aircrew, but England withstood the attack and the invasion was postponed. And the rest, as they say, is history. Et que quand on le monte dans le truc, on a les genoux qui claquent, ce n'en est pas possible. Une fois qu'on est en l'air, on comprend que cet avion, vu dans le ciel, d'abord il est magnifique et il s'écoute. Ce moteur feutré, c'est un moteur plus anglais, c'est pas possible. C'est un Mark 5, c'est-à-dire la version du speed. Pour rouler, pour aller en bout de piste et pour décoller, le de faire ce qui doit être fait, de régler les. The efforts of Fighter Command to protect England, its airfields, cities and citizens was probably best summarized by Winston Churchill with these famous words. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Et non seulement.
to conclude the tribute to the few, Stephen Gray put TFC's Spitfire Mark V through its paces in a remarkable solo demonstration. Lest we forget. One front often forgotten until recently was the Russian one, not so at La Ferté Alais. Once again, here is show commentator Bernard Chabert. Donc, ces Français sont intégrés au sein de l'énorme, gigantesque et colossale armée soviétique, mais très rapidement, ils vont devenir littéralement légendaires, au sein même des Russes. Avec les compliments des pilote français du groupe Normandie, voici une évocation de ce qui s'est passé dans les steppes. Comme partout ailleurs, l'Union soviétique, une fois transformée en souvenir le pacte de non-agression germano-soviétique, l'Union soviétique se retrouva plongée dans une guerre dont elle allait payer le prix le plus fort, puisque je vous rappelle que plus de 20 millions de citoyens soviétiques perdirent la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien plus que tous les autres belligérants réunis. Donc, chez les soviétiques, l'aviation était conçu d'une manière un peu différente de la philosophie européenne. D'abord, il y avait les avions, comme cet extraordinaire Polikarpov I-16. En matière d'architecture, on ne peut pas dire qu'il jouait dans l'élégance, mais en matière d'efficacité, ce microscopique avion de chasse, c'était quelque chose. Bon, c'était un avion qui avait débuté lors de la fin de la guerre d'Espagne. Un avion, regardez-le, excessivement court, tellement court que son comportement en vol était assez étonnant. Il avait presque la géométrie des avions de course américains, des trophées Thompson, etc., comme le GB. Des avions où finalement le plus gros morceau c'était le moteur. Tout de suite derrière le moteur il y avait le pilote et puis après il y avait un embryon de fuselage. Mais pourtant ça volait plutôt bien. On regarde, c'est rarissime, première fois vu ici. Certains parlent du combat contre les forces de l'Axe. De présentation. Mais quand on donne un avion russe à un Anglais, il y a des problèmes cyrilliques. Donc ce microscopique chasseur était un avion infiniment manœuvrant, rapide. Surtout, c'était un avion, il aurait été construit en béton armé, ça aurait été pareil. Hein. C'était solide. C'était fait pour se poser n'importe où, pour cogner, pour taper. On pouvait l'entretenir avec un marteau, trois tournevis et une caisse à clous. Mais ça sert en cas de guerre, les avions simples. A fitting commemoration to the pilots who lost their lives at the Eastern Front, which also included French airmen belonging to the squadron of Normandie Niemen, who were sent as military aid to Russia by General de Gaulle. Mais c'était des beaux amis au Bourget, puisqu'ils devaient être stationnés au Bourget, et 24 pilotes étaient arrivés avec leurs avions, propriétaires. Leurs avions appartenaient à la nation française. From Russia, the show went even further east, to the Pacific Theater of Operations, starting at Honolulu on December 5th, 1941.